Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name. Christmas star say now? Only believe, all things are possible, only believe. Courbons la tête un instant. Avez-vous besoin d'une miette ce soir? Pourriez-vous accepter la miette et persister avec cela? La petite miette de foi qui est venue à une petite femme grecque des nations, elle n'avait jamais vu un miracle de sa vie. Une païenne idolâtre, mais elle avait entendu dire que cela avait été accompli pour quelqu'un d'autre. Elle ne l'avait jamais vue, mais elle a cru. Et malgré toutes les déceptions qu'elle a eues, elle s'est fondée sur quelque chose dans son cœur qui lui disait que son enfant pouvait être guéri. Vous savez, quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé sa fille couchée sur un lit. La maladie l'avait quittée. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour sa fille qui n'était pas présente. Avez-vous besoin d'une miette ce soir? Si oui, voulez-vous simplement lever la main? Dites, Seigneur, juste une miette, c'est tout ce que je demande. Oh, Père Céleste, regarde ces gens des nations qui cherchent des miettes. Les temps n'ont pas encore changé, Seigneur. Ils ont entendu dire que tu guéris les malades. Ils ont entendu dire que tu remplis du Saint-Esprit. Tu donnes du repos à ceux qui sont fatigués. Oh Dieu, permets que ceux qui sont là ce soir, qui crient comme cette précieuse petite dame d'il y a bien longtemps, Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas dignes de recevoir des bénédictions comme ton peuple, Israël, mais nous cherchons seulement à voir une miette qui tombe de la table du Maître. Et ce soir, nous avons présenté la glorieuse nourriture avec laquelle tu as nourri ton Église. Et ce soir, nous avons non seulement des miettes, mais nous sommes invités à la table.
Nous n'avons pas vraiment besoin de prendre les miettes, mais nous sommes heureux de les obtenir. Mais nous sommes invités à la table ce soir. Jésus a dressé sa table pour nourrir tous les saints de Dieu. Il invite ses élus à venir et manger. Permets ce soir, Père, que le besoin de chacun soit comblé. Et pendant que nous avons la tête inclinée et notre cœur dans l'humilité devant Dieu, je me demande combien de personnes dans ce bâtiment ce soir ne sont pas sauvées. Si Jésus venait et que le monde arrivait à sa fin ce soir, et vous êtes prêts à prendre la petite miette de foi qui a été placée dans votre cœur, et approcher de la table ce soir et présenter votre petite miette de foi devant Dieu si vous voulez le faire. Voudrez-vous vous lever et venir ici et nous laisser prier pour vous ici à l'autel? Voudrez-vous venir sans tarder? Alors avancez. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Quelqu'un d'autre voudrait-il venir? Que le Seigneur soit avec vous, ma sœur. Venez ici. Y aurait-il quelqu'un d'autre ici qui voudrait une miette, qui voudrait venir à la table du Seigneur? Dites, Seigneur, je ne suis pas digne de venir. Je suis un chat. Je suis juste, je ne suis pas digne. Pas plus que cette femme ne l'était, mais je viens seulement pour une miette. Voudrez-vous venir, amis pécheurs? Venez. Il se pourrait que ce soit votre dernière occasion. Voyez-vous ce que devient le monde aujourd'hui? Les gens ne veulent plus venir. Vous pouvez difficilement les persuader. On dirait que l'évangile s'en va dans les champs de mission. Que Dieu vous bénisse, mon cher frère. Que Dieu vous bénisse, c'est merveilleux. Restez ici juste un instant. Quelqu'un d'autre, prenez la place à côté ici et dites, je prends position avec cet homme. Que le Seigneur te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse, c'est vrai. Avancez-vous ici, dites, je veux une miette, Seigneur, une miette, c'est suffisant pour moi. Quelque chose a touché mon cœur, maintenant je m'avance. Que Dieu te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Tenez-vous juste ici. Quelqu'un d'autre sent une petite miette de foi dans son cœur qui l'incitera à venir à la table maintenant? Voudriez-vous vous avancer aux côtés de ces quatre hommes qui sont ici, qui attendent? J'ai prêché au sujet d'une femme ce soir. Et ce sont des hommes qui s'avancent. Qu'en est-il, ma sœur? Ne voulez-vous pas venir vous aussi pour la miette? Avez-vous ce petit peu de foi qui vous dit que vous avez tort? Vous dites, eh bien, je ne sais pas ce qu'est une miette. Frère Branham, la miette, c'est ce qui est maintenant dans votre cœur, qui vous dit que vous avez tort, que vous devriez vous repentir. Venez, ne voulez-vous pas venir? Levez-vous et venez doucement, rapidement à la fontaine remplie de sang. Ne voulez-vous pas vous avancer? J'ai tort, frère, priez pour moi. Avancez-vous, que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Je veux seulement une miette, Seigneur. Cette petite miette dans mon cœur. Je viens maintenant pour la présenter. Voulez-vous venir? Maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui est rétrograde, qui s'est éloigné et vous aimeriez vous avancer? Voulez-vous venir maintenant? Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Oh, mon ami! Si cette lumière a été rendue si réelle pour vous au dernier jour, ne voulez-vous pas venir vous placer ici aussi? Il se pourrait que ce soit le moment où ces grands désirs dans votre cœur, quelque chose qui vous dit, je crois que le Seigneur va me donner le baptême de l'Esprit ce soir. Je veux m'avancer, me tenir là. Avancez-vous à l'autel. Le feriez-vous? Levez-vous avec nous dans la prière. Vous qui ressentez une petite miette qui dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si un homme peut faire tout le trajet de l'Ohio, venir jusqu'ici en avion à réaction, que Dieu vous bénisse, frère Grant. Un presbytérien peut prendre un vol de l'Ohio jusqu'ici en avion à réaction pour se tenir à l'hôtel. Qu'en est-il des gens de Phoenix? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Restez ici juste un instant. Ne voulez-vous pas venir? Des veines d'Emmanuel. Ne voulez-vous pas venir là où la source est ouverte ce soir, remplie des bonnes choses de Dieu?
Je me demande, pendant que nous attendons un instant, il y a certainement plus de gens qui sont prêts à prendre des miettes. Il y en a certainement. Ne voulez-vous pas venir? Faites simplement ce que je vous demande une fois. Soyez sincères dans votre cœur. Dites, je m'avance là. C'est le moment pour moi de venir. Je viens malgré tout. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Faites simplement signe. Faites simplement ce que je vous demande une fois. Soyez sincère dans votre cœur. Dites, je m'avance là. C'est le moment pour moi de venir. Je viens malgré tout. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est très bien. Nous attendons maintenant patiemment que vous veniez. Courbons la tête maintenant alors que nous attendons et chantons ces cantiques de l'Église. Il y a une source remplie du sang. Des veines d'Emmanuel. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Ne voulez-vous pas prendre votre miette et venir? Dans ces flots. Si vous désirez le Saint-Esprit, ne voulez-vous pas venir entrer là maintenant? Et laver de tout péché. Et laver de tout péché. Tout pécheur plongé dans. Come, friend. Venez mon ami. Oh. Et lavez. The dying thief. Le brigand mourant vit. Avec joie, juste ici à l'autel, et vous. Ville comme lui, j'y puis laver mes péchés. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Je me demande si les ministres ici présents voudraient venir se tenir ici avec nous. Les ministres dans le bâtiment, venez vous tenir ici avec nous un instant. Des instructeurs. Moi qui suis vil comme lui, j'y suis lavé. Je me demande s'il y a des ministres ici, des instructeurs dans la parole qui aimeraient venir. Souvenez-vous, des destinations éternelles se décident en ce moment. Il y a 7 ou 10 personnes debout ici. Et vous savez ce que cela représente? Une âme vaut 10 000 mondes. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Maintenant, madame qui est malade et qui voulait qu'on prie la prière de la foi pour vous, voudrez-vous simplement vous lever là où vous êtes? Vous qui êtes malade et dans le besoin, c'est bien. Maintenant, mes frères ministres, c'est ça, imposer les mains à ces gens. Vous les malades, tenez-vous assez près les uns les autres afin que vous puissiez poser les mains les uns sur les autres. Or, la Bible dit, à vous qui êtes malades, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous devez être un croyant, sinon vous ne seriez pas debout. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Vous savez que c'est vrai, ce sont les Écritures qui ne peuvent pas faillir. Et à ces pénitents qui viennent à l'autel, mes frères et sœurs qui viennent à l'autel ce soir, des êtres mortels qui savent qu'ils devraient un jour se retrouver devant Dieu,
La Bible dit que pour certains hommes, leur péché les précède, pour d'autres, ils les suivent. Vous confessez-les vôtres ce soir afin que vos péchés vous précèdent et qu'ils vous soient pardonnés par le sang du Seigneur Jésus. Et vous qui êtes ici, qui cherchez le baptême du Saint-Esprit, Dieu a fait la promesse dans Acte 10. Nous lisons, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui les écoutaient. Ils étaient tellement affamés. Maintenant, vous êtes affamés. Vous avez apporté cette petite miette ici. Maintenant, prenons un vrai repas complet des bénédictions de Dieu. Tout ça, c'est pour vous. Maintenant, vous qui croyez en la prière, courbez simplement la tête tous ensemble et prions et croyons. Maintenant, ne pensez pas aux gens qui se trouvent tout autour de vous. Ne soyez conscient que de la présence de Jésus-Christ autour de vous. Et que chacun prie comme vous le faites d'habitude, comme vous avez l'habitude de prier, frère. Imposez les mains à ces gens. Et croyons maintenant que le Saint-Esprit va venir et accomplir ces choses que nous demandons. Père Céleste, nous ne pensons pas que nous nous tenons ici en vain. Nous te remercions pour ces âmes. Nous savons que tu es ici maintenant pour les sauver. Je prie que tu l'accordes, Seigneur. Puisse leur foi regarder au-delà de l'ombre. Que ceux qui cherchent le Saint-Esprit, c'est sur qui des croyants posent leurs mains, les malades et les affligés. Puisse la puissance de Dieu entrer dans ce bâtiment, aller partout dans les allées à travers ces gens et sauve chaque pécheur, remplis chaque croyant du Saint-Esprit, guéris chaque malade, accorde ces choses, Seigneur. Je crois que tu es ici et que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes promesses ne peuvent pas faillir. Nous croyons que tu as mandaté ton église et ils sont allés dans la ville de Jérusalem. Ils sont allés dans la chambre haute et là ils louaient et bénissaient Dieu continuellement. Et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient rassemblés. Tu es le même, tu es capable de faire la même chose. Que la puissance qui est descendue au jour de la Pentecôte baptise ce groupe de personnes ce soir dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Cette prière, je la fais au nom de Jésus pour ces gens, pour la gloire de Dieu. Levez vos mains maintenant. La prière de la foi a été offerte. La prière de la foi du pardon. Levez les mains et dites, loué soit le Seigneur. Commençons simplement à le louer et à le bénir. Confessez simplement vos péchés. Croyez de tout votre cœur. Levez les mains vers Dieu et dites, merci Seigneur. Je crois en cet instant même que tu me donnes l'Esprit du Seigneur, que tu m'as baptisé du Saint-Esprit et que tu me donnes les bénédictions. Très bien, sœur, venez.
What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet.